ngote na bino nyonso ba ebrozo mwa ngonga na mino na mokolo alelo pona kolanda message na memili bino merci na ndeko dosta oyo azo sala le nécessaire pour que tokoka kosolola ngai na bino lelo message na ngai na division en plusieurs parties na kolobela d'abord projet ya balkanisation ya mboka na biso projet oyo papa ngwanda alobela ka bino déjà il y a quelque temps processus où il y a pour balkaniser, il y a pour penser à nous en trois états. Et nous avons 5 ans de pour ce point-là. Il y a un message, papa, on a fait ça, mais surtout, il y a d'abord un message à Jules Moulumba, extrait un message à Jules Moulumba, porte-parole, il y a Bawaza Lendo, où il y a le même problème cette année. Papa, on a le Bela Kango, avant Koufa, donc il est décédé il y a plus de 3 ans. Et Jules Moulumba a abordé le même problème avec la bah, réalité à terrain où bah, on va constater donc vous préférez Boyo Kango dans mon on a beaucoup parce que je pense que il y a tellement d'informations dans lesquelles auxquelles bah, Congolais vous a confronté et peut-être que ce point là essentiel et qu'on a échappé bino donc le bel abino ensuite par rapport il y a une prise de position où une communauté internationale basée par rapport à Burkina Faso. Dieu sait comment bah, on a la capacité à influer sur déroulement et bah, événement et pas Nabiso. Et Nakolobe là particulièrement effectivement en relation à Bango na Paul Kagame na Félix Tshisekedi qui pour moi na bandeko bazanangai toujours considéré qu'ils sont réellement maintenant dans une course contre la montre et je vous dirai pourquoi. Ensuite Nakolobe là binopé par rapport il y a l'Iwa il y a Christian Malanga au Bino Souboyebi que moi nanaie en particulier bah quand qui est na ba tumsusu bazalaki na bango na opération bazalaki au na Kinshasa ba bengeli bisongo coup d'état mais faut que tchango entre guillemets je vous dirai un peu bah info au bah tu as raison papa moi la pessingai à ce sujet et concernant implication particulière il y a Zuri Kabila na Mai Oeliki na kolobela bino pe par rapport il y a bah, soi-disant opposants, comme vous avez pu constater, beaucoup ne sont plus tellement comment dire, visibles, mais on a eu quelques nouvelles intéressantes, on a pu s'abîmer mon bouquet, et on a revenu enfin sur la résistance, n'a pas projection, on a tout au sala, concernant Misala, ou Papa Ngwanda, à Tikelibiso, n'a vision à combat, puis n'a pas tout au Romona, pour la suite. Avant d'abandonner, continuer donc. Nazo c'est un décodosta. Après Sabino, Alex Sabino donc va extrait au nom du collègue Sabino concernant des propos qu'a tenu Jules Moulumba il y a pas longtemps et Nani Papa Ngwanda il y a un peu plus long, un peu plus tôt donc il y a plus de 3 ans. Voilà. Un certain nombre de militaires kenyans sur le sol congolais. Et ces militaires ne sont pas soit qui s'engagent présentement. Ils ne sont pas là pour cette sorte d'information, ils sont là pour raison d'espionnage. Parce que le plan, c'est lequel la présence des militaires ougandais au Grand Nord et à Ituri a une autre mission d'apprivoiser la population et la préparer à l'autodétermination. Parce que vous verrez maintenant, ils sont en train même de faire des travaux de balayage, tout ça au profit de la population. C'est pour l'apprivoiser. Et ils attendent. D'un côté, ils sont là avec les FARDC comme alliés. De notre côté, ils sont avec les Rwandais comme agresseurs à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et pendant ce temps, les Kenyans sont exsangués pour raison d'espionnage. La situation qui va arriver, c'est qu'on va embraser la situation une bonne fois pour toutes, depuis Kisangani jusqu'à Kindu, et on va vivre la situation du RCD en 1998, quand les villes et les villages tombaient par la simple déclaration. Et il est prévu que le Katanga va être aussi assiégé par la sécession katangaise et un coup de force devrait frapper Kinshasa pour embraser la situation une bonne fois pour toutes et le Congo sera émietté en 3 parties. Là, c'est un plan qu'on ne devrait pas négliger parce que nous avons accès à des renseignements profonds, aussi même des RDF comme des UPDF. Et donc, les Kenyans qui sont à Kisangani, les Ougandais qui sont en jonction avec les terroristes qui sont à Rutshuru, Masisi, et qui essaie de foncer vers Walikale et le retrait de tous les hommes politiques congolais des institutions politiques ôterait le même jour à tout le système en place
toute sa crédibilité et toute sa légitimité sur le plan international. Mais la vérité est que si personne n'ose jusqu'ici faire le premier pas dans cette direction, c'est parce que chacun a peur de perdre des avantages matériels liés à sa présence ou à son attachement au système de prédation en vigueur. Or, au moment où nous passons notre temps à ergoter sur la transition, la table ronde, les élections anticipées, mes chers compatriotes, ceux qui complotent contre nous pour nous arracher nos terres et nos richesses sont passés déjà à la vitesse supérieure. Je mesure le risque de ce que je vais vous dire, mais sachez qu'un think tank occidental vient de faire accepter à plusieurs capitales occidentales les conclusions de ces études qui ont abouti à la production d'une nouvelle carte de la République démocratique du Congo déjà balkanisée. Ces trois cartes existent déjà. Ces trois pays balkanisés sont répartis de la manière suivante. Le premier pays comporte quatre anciennes provinces. La province orientale, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, avec une forte ouverture sur le Rwanda et l'Ouganda. Le deuxième pays balkanisé regroupera trois anciennes provinces, le Kasaï oriental, le Kasaï occidental et le Katanga. Tandis que le troisième pays regroupera les trois anciennes provinces de l'Ouest, autrement dit l'Équateur, le Bandundu et le Bas-Congo. Ces trois pays ont été déjà répartis en zones d'influence des puissances occidentales qui en assureront la tutelle. Entendez la préséance dans l'exploitation des richesses minières. Ces dispositifs visent particulièrement à stopper l'intrusion chinoise en Afrique dans le domaine du marché des minerais. La course aux armements à laquelle se livre aujourd'hui Paul Kagame entre dans la droite ligne de ce plan de bouleversement. Je ne peux fournir à ce stade beaucoup plus de détails pour ne pas exposer mes sources dont j'ai encore besoin pour poursuivre l'évolution de cette opération. Voilà pourquoi j'estime, mes frères, que nous n'avons plus de temps à perdre avec des vains débats. Quant à moi, j'aimerais conclure ce message par vous présenter mes profondes convictions au sujet des différentes thèses développées par les uns et les autres pour sortir de cette crise multidimensionnelle. Je crois que la solution de la crise congolaise ne viendra pas d'une aide quelconque à Félix Tshisekedi, comme certaines personnes me le demandent. Je ne crois pas à la possibilité d'aider Félix Tshisekedi parce qu'il n'est pas tombé dans un piège comme prétendent certains. Mais il s'est engagé en âme et conscience à collaborer avec l'occupant rwandais bien avant les élections de décembre 2018. Il ne s'agit donc pas d'un accident de parcours, mais d'un acte politique prémédité, car depuis déjà plusieurs années, en amont, Félix Tshisekedi s'est attaché aux agresseurs et aux occupants rwandais dans le cadre du choix politique qu'avait fait son défunt père Étienne Tshisekedi, dont les accointances avec le Rwanda datent des années 1996, au début de l'agression du Zaïre. Les documents à ce sujet existent. Je ne crois pas non plus à une aide quelconque à Félix Tshisekedi parce que lui-même n'est pas disposé à se débarrasser de la double tutelle de Paul Kagame et de Joseph Kabila avec lesquels il est lié
par des accords secrets bien avant le hold-up électoral. Enfin, je ne crois pas à la possibilité d'aide à Félix Tshisekedi. Merci Nandeko Dosta de nous permettre Nandeko Bala d'Andalissou. Message à Papa Honoré Mbanda, puis message à Nandeko Jules Moulumba, Oazali porte-parole et Babouazali, qui reviennent tous les deux sur le projet. Il y a balkanisation et Mbokanabiso en trois états. Nandeko Nangaï, comme vous pouvez le constater, Nandeko Jules Moulumba a tenu ses propos cette année et il a décrit un phénomène qui devrait normalement focaliser notre attention, au exact troupeau bazo kota Nambokanabiso. D'une manière ou d'une autre, en trouvant des stratagèmes avec des prétendus accords avec notre gouvernement, etc. Donc, ils ont permettre Bango, basa la travail et espionnage sur notre territoire. Alors, imaginez, le Rwanda a des accords avec notre pays pour, soi-disant, faire un peu le même travail que l'Ouganda, au exact, ou l'un des là-bas, force négative, ou ils ont sur, ils ont menacé sécurité na Bango. Et cet accord-là, Félix Tshisekedi, il ne les a pas, à Katia Ngoti. Alors, ceux qui ont talisé pour la situation, ont été très bien aujourd'hui, objectif, il y a Bango Kana, il n'y a pas que l'Ouganda, il y a, la plupart des pays limitrophes, là, donc, Bango et à EAC. Félix Tshisekedi a zubi sur le sous-soit qui côté sabissou na Katia EAC et il n'a pas rompu cet accord-là. Même si on nous dit aujourd'hui que troupe à EAC est bimi, mais Félix Tshisekedi n'a pas rompu l'accord où il y a quelqu'un qui a signé, où il y a ça la queue. Donc, commis sous la coupe, il y a EAC. Alors, vous avez, et souvenez-vous de ce qu'il a même dit à un moment donné, en disant que non, nous n'avons pas besoin de nous battre pour des morceaux de terre. Hein, et qui sont donc qui constituent donc la RDC, puisque d'après lui, maintenant nous faisons partie de l'EAC et que nous allons avoir un pays plus vaste. Mais non, il y a qui ma belle ou en gros, il y a Congo, il y a Patata, il y a Maman, non, nous tapons CP mandat à Zaté. Alors, vous voyez, tout ça là, ajouté à l'attitude de la communauté internationale, et donc je vais revenir sur les différentes positions, enfin, en tout cas des points particuliers, au Bomouni, par exemple, concernant la Grande-Bretagne. Qui décide contre vents et marées au Tinda, demandeur d'asile Nabango, jugé indésirable, Tinda Bango à tout prix na Rwanda, et il les finance pour ça, sans compter les financements au Bapé, ça va déjà Rwanda depuis des années, parce que la Grande-Bretagne fait partie des pays qui versent le plus d'argent à Kagame depuis des années, malgré la déstabilisation dont nous faisons l'objet, malgré les violations des droits de l'homme. On constate au Rwanda, la Grande-Bretagne n'a pas changé de position. Donc, la Grande-Bretagne décide, comme si on nous faisait un bras d'honneur, hein, de continuer à déverser des populations au Rwanda, essentiellement des hommes. Et nous savons très bien, avec tous les éléments qui ont été recueillis depuis des années, et travaux, ONG, etc. Enfin bon, voilà, nous savons très bien que la plupart de ces gens vont être utilisés pour renforcer la troupe rwandaise Oyo Kagame a déversé dans Mbokanabiso pour occuper Mabélé-Nabiso et aller à terme vers la balkanisation à Mabélé-Nabiso. Donc voilà la Grande-Bretagne, ce pays-là, qui est en train de financer celui que nous considérons tous aujourd'hui comme l'Hitler africain, comme j'ai pu le dire il y a quelques jours, donc à l'occasion du 8 mai 1945, où ils correspondent à la date où il y a occupation. Nazis, Nanini, en Europe. Donc, ils ont décrié Hitler à juste titre avec le génocide qu'il avait commis en plus contre les Juifs en Europe. Mais donc, l'Hitler africain, donc Paul Kagame, est devenu subitement plus fréquentable depuis qu'il a la peau noire. Hein. Donc, voilà un peu le genre de situation autosomona par rapport à la Grande-Bretagne qui, de notre point de vue résistant, mériterait que Bissau, Congolais et puis avec l'aide des autres Africains, Panafricains, et puis d'autres même, nous devrions mener campagne contre cet état de choses en proposant, en suggérant à tout le monde, chaque fois que vous pouvez éviter de dépenser de l'argent au profit de la Grande-Bretagne, au profit du Rwanda, faites-le, parce que ce sera une manière pour nous tous de faire comprendre que nous sommes contre ce trafic d'êtres humains, parce que c'est comme si les petits passeurs, ce qu'ils faisaient à petite échelle, ben, c'est maintenant la Grande-Bretagne qui va le faire avec le Rwanda, où on prend des groupes de population qu'on va déverser ailleurs. Hein. Un trafic d'êtres humains, oui, pourquoi? Parce que ces personnes vont aller dans ces pays-là contre leur gré et dans des mauvaises conditions,
ils seront pas forcément si bien accueillis, puisque Kagame, tout le monde sait, c'est pas un démocrate. Kagame, c'est pas quelqu'un qui respecte les droits de l'homme. Kagame, c'est pas quelqu'un qui respecte la liberté d'expression. Kagame, c'est quelqu'un qui est capable, parce que vous dites du mal de lui ou du Rwanda, de venir vous exécuter où que vous soyez, hein, et tout le monde le sait. Alors, un pays comme ça, on va envoyer des personnes qui se sentent déjà en insécurité dans leur pays d'origine, et on va les envoyer dans ce pays-là qui est, voilà, un pays où les gens ne se sentent pas forcément en sécurité. Les Rwandais sont eux-mêmes les premières victimes de Paul Kagame aujourd'hui. Et donc, voilà pour la Grande-Bretagne. Et la réponse que la France a donnée par rapport à cette situation aujourd'hui, où les Congolais demandaient plus de sanctions, demandaient des sanctions, en tout cas contre le Rwanda, et des décisions beaucoup plus conséquentes par rapport à ce que le Rwanda, l'Ouganda, etc., tous ces pays sont en train de faire contre nous. On apprend quoi? Pour les 30 ans de la commémoration et à génocide, il y a Rwanda, la France qui a 3 000 milliards de dettes, va les donner. 400 millions d'euros en plus des 500 millions qu'ils avaient déjà versés au Rwanda. Donc la France, qui est très endettée elle-même, va donner comme ça de l'argent au Rwanda, un petit pays qui n'a pas de ressources, pratiquement entre les ressources minables. Donc voilà, un pays qui est très en difficulté économiquement. La France va leur faire don de cet argent, mais c'est forcément en retour de quelque chose, parce que vu la situation de la France aujourd'hui au niveau économique et tous les problèmes qu'ils rencontrent dans leur sphère d'influence dans le monde, on sait bien qu'ils sont en difficulté, sans compter la guerre en Ukraine et avant ça, les problèmes de Covid, etc., les conséquences qu'il y a par rapport à tout ça. On sait très bien qu'aujourd'hui, donc, la France qui est OIF, donc Organisation internationale de la francophonie, la France va donner de l'argent à un pays qui a d'ailleurs. Qui snobe royalement la francophonie, un petit pays qui est en train d'exterminer, qui a déjà exterminé, en tout cas participé à l'extermination de plus de 12 millions de francophones que sont les Congolais, qui sont morts depuis la déstabilisation orchestrée par le Rwanda sur notre territoire, etc. Alors, vous voyez vous-même toutes ces aberrations, à quoi ça nous ramène. On se rend compte aujourd'hui, ben oui, la France continue à soutenir le Rwanda, la France aussi. Par rapport, il y a projet au Bazo Sala contre Bissau. Et si vous allez comme ça, vous prenez les différents pays, vous allez voir, bon, la Pologne qui signe un accord militaire avec le Rwanda, la Pologne qui fait partie de l'OTAN. Donc l'OTAN, évidemment, fatalement, ils sont tous impliqués par rapport à cet engagement de la Pologne. Et sans compter qu'effectivement, quand on regarde les États-Unis, donc, eux tous, ils font preuve d'une bienveillance que par rapport à Rwanda qui ne se justifie pas. Et oui, parce que quand on regarde ce qu'ils font chez nous, tout le monde sait aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle, le Rwanda tue en République démocratique du Congo. Et ce sont les rapports de l'ONU qui sont là, qui en parlent, mais on va entendre même le responsable de l'ONU qui va vous dire à un moment donné, quand on lui demande d'où viennent les armes qui sont au Rwanda, ben oui, il vous dit qu'il ne sait pas d'où ça vient de quelque part, etc. C'est les propos qu'a tenus Antonio Guterres quand il a botté en touche. Pour ne pas avoir à reconnaître que, bah oui, les armes que. Pardon, c'était les armes du M23, d'où ça venait, etc. Donc, il n'a pas osé dire que ça venait du Rwanda. Donc, quand on regarde un peu tout ça, hein, l'implication des différents pays par rapport au niveau de la communauté internationale, par rapport à ce qui se passe, à l'action du Rwanda chez nous, on se rend bien compte qu'ils ont pris position. Ils sont contre nous. Parce qu'il y a ce projet de balkanisation de la RDC, parce que ils ont tous besoin d'accéder à tous ces minerais stratégiques. Et il y a une guerre entre eux et nous, nous sommes là en train de subir les conséquences de tout ceci. Mais ce n'est pas que de leur faute. Comme vous le savez, on a nos gouvernements qui, en réalité, sont des gouvernements d'occupation qui continuent à faire le jeu du Rwanda. Et des lobbies qui sont derrière eux pour faire, comment dire, pour accentuer leur emprise sur la République démocratique du Congo. Mais et là on a un abaxélabino par rapport à tout ce tableau-là. Ben, élément on a vu dernièrement, et ça que même quand alors on a eu le cas il y a un projet au cas qu'il y a Israël qui voulait envoyer les Palestiniens chez nous. Mais avant ça, souvenez-vous, il y avait aussi le problème de Falacha.
Israël ne voulait pas pratiquement sur son territoire. Pourquoi pas encore en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, donc il y a un élément au Nazi en plus, et ça que et ça Nazi on a bah service il y a Libanda, on a bah réseau bah ça vous travaille n'a pas Banda. Même projet Nini bah Ukrainien au besoin monana. Il y a un projet aujourd'hui, il y a Europe, il y a Koti Nabango plus la République démocratique du Congo, d'où le projet Nabango il y a Koufoumoul, ça à tout prix ambassade Nabango na RDC. En effet, ce botali bah, événement des réseaux les Kanani na Ukraine, vous vous rendez compte que la Russie est en train de gagner du terrain et c'est probablement la Russie qui va gagner la partie. Et il y a déjà beaucoup de réfugiés ukrainiens en fait qui se sont déversés à travers l'Europe, mais entre ces immigrés-là ou ces migrants européens, ceux qui viennent d'Afrique, d'Asie, etc., l'Europe ne souhaite pas accueillir tous les Ukrainiens et surtout à l'approche de la débâcle pratiquement annoncée au Ekozala, puisque la Russie va sûrement gagner la partie. Alors, il y a un projet, je vous le dis, Yako déverser le sous-sous bah, ukrainien et pas Nabissou. Et ainsi de suite. Ce botali na Likolo, le gouvernement n'en parle pas, ni na province, na Équateur, alors qu'on avait déjà la province orientale où il y avait Bambororo, Bazalakawana, mais maintenant, au niveau de Yakoma, au niveau de l'Équateur, il y a encore des Mbororo qui sont là-bas. Ça a été. C'est passé pratiquement sous silence. Notre gouvernement n'en parle pas. Donc, il y a des populations comme ça qui sont en train déjà de s'installer dans le silence et pas l'abysso, sans compter les autres au Obazo Bongama, sans compter bah, au Baza déjà au Kunana Est, etc. Mais il y a une carte aussi, Nabotche Labinoana, au Ezaki, ce Botalina bureau, il y a Félix et Sikazo Yamba, Kamere. Quand il a déjà adoubé juste avant qu'il ait la poteau, l'air Azaki Koulibaly, que oui, enfin Benga qui est déjà présent et assemblé, bon, ça s'est concrétisé maintenant, mais Azaki déjà au Benga, ce qui n'était pas forcément normal, puisque on devait normalement laisser faire hein, le vote qui devait se passer là-bas. Mais ce Botalina vidéo, wana, il y a une carte qui est Oezawa Nakati à bureau, il y a Félix, Oezo Laksaba, zone de tension déjà, Oezamambo Kanabiso. Mais bizarrement, vous allez voir que cette carte-là, ce n'est pas les 26 provinces. Ce n'est pas les 11 provinces comme on avait avant, ce n'est pas les 145 territoires, où le bazar pour annoncer Bissot. Et ça, a donc une délimitation, Moussoussou, Oyo. Et ça, là, qui ça, bah, zone déjà la tension, Oyo. Force extérieure, Bazali, alors cette carte-là, il y a un faux, qui est auprès de la région de Pangwanda. Et ça, carte, Oyo, service, il y a un Mbouganabiso, Pessac, établir pour la Félix. Pour moi, on a dengue, banguna, bazo côté la biso déjà, donc bah zone de tension, oyo, on peut déjà constater dans Mbokanabiso. Donc, la balkanisation en Mbokanabiso, ils ont déjà en cours. Boyoka, et là, on a dit que vous avez une information belle, vous avez peut-être l'impression que nous, on se répète, mais c'est parce qu'en réalité, il faut que vous avez une bazo iba, bazo kosa, bazo boma. Bazo Yiba, Bazo Kosa, Bazo Boma, ça ne fait que se répéter. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est que nous devons absolument stopper le processus en cours. Il y a balkanisation d'Abisso, il y a occupation de la balkanisation d'Abisso. Or, le gouvernement en place, et ça je vais le démontrer maintenant, bah, décision au Bazu déjà, ezo même Abisso Mabé. Ce Botali, action Nabango, vous vous rendez bien compte, effectivement, Makamezo Kende Mabé. Je reviens sur la situation, la relation avec la communauté internationale. L'histoire, par exemple, ambassade, il y a Ukraine et Panabissau. Mais ce pays, l'Ukraine, vous souvenez-vous, au début de la guerre, il y a guerre Nabango-Naba russe, il y avait des jeunes Africains qui étaient là-bas. Ce n'étaient pas des migrants qui étaient venus illégalement, etc., spécialement, des étudiants qui étudiaient en Ukraine. Mais quand il a fallu évacuer les gens là-bas, on a empêché des jeunes Africains de partir de ce pays-là parce qu'ils étaient noirs. Alors, faut bien se montrer quand même les Africains, pour se faire respecter. Un pays qui se comporte comme ça, mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire chez nous? Ils ont montré clairement leur racisme. Pourquoi on devrait les accepter chez nous? Ben, au fond, ça, quels sont ces rapports faut bien se montrer en Ukraine de l'eau.
pour nous avons dit que 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 bah, tout ça pourquoi et ça c'est le commentaire que Bato va passer un gars inini va passer un gars faux sur projet Namango il y a petit va réfugié ukrainien par Nabisso a dit non mais ça se passe comme ça parce que votre pays est faible. Oui, notre gouvernement est faible, ils ont posé Bissoba problème, ils sont pas que faibles, ils sont en réalité ils sont complices des y a occupants Bota la Taraba je au Félix Azosal. Hein? Et pas Nabino Royeux Sabino que non, il a même fait des déclarations d'ailleurs publiques par rapport à ça, concernant M23, en disant que non, M23 en réalité c'est pas les M23, et la RDF, armée rwandaise, ok, Bissou Rwandais, d'accord. D'ailleurs maintenant il y a un travail qui est fait, Nabananga, tout ça là, pour être Sambapé, ça a une connotation beaucoup plus congolaise, une couleur beaucoup plus congolaise, parce que Monique va congolais, Fumolimiso. Mais là, Bissou, la position beaucoup plus dure, justement, par rapport à tout ça, Congolais, Bissou, la position plus dure, c'est lui-même Félix qui sort là-bas, qui va vous dire, qui va dire, na CC, na ma réunion, na bango, route, ou à route, ou bimisango, hein, na route qui est actuellement, na nini, bazo, yambaye, na maison blanche, et tout ça, dans les États-Unis, le président kenyan a rappelé, en gros, que Félix, Tshisekedi, Mtazo, le barénon, M23, Bazo, Congolais. Alors, Bota, la binomo, contradiction, des mois, qu'est-ce qui lui arrive, hein? Donc, au moins, 23 bazar à Congolais, mais il y a armée rwandaise, mais donc voilà, contradiction, il y a un peu ça, là, que le lot communautaire international, moins bas opposition, plus côté Nabisso et Zaté, parce que parmi eux, tout le monde n'est pas forcément pour Kagame, mais ceux qui voudraient avoir une attitude beaucoup plus finalement bénéfique pour Nabisso ba Congolais, Mouto Azo bloqué Bamoko les Félix Tshisekedi Azate. Parce qu'en réalité, Félix Tshisekedi, il a signé des accords avec le Rwanda. Et dans le sein de Kodosta, bon, c'est Bino, Nini, élément Moussouana, pour nous rappeler Bino, hein, pour Nani Bozomona, collé à chaque fois na caméra, etc. Il a signé des accords avec le Rwanda, ou le caméra s'est lobé l'ango publiquement, et personne dans l'IDPS va contredire rien. Hein. Donc, au niveau de la communauté internationale, on voit que Félix Tshisekedi est toujours là. Donc, quand il est sous la pression des Congolais, il fait mine de prendre des décisions contre le Rwanda. Mais en réalité, Azamutu Azo batte la bango, la preuve, quand l'Union européenne prend signe un accord avec le Rwanda pour que le Rwanda va fournir bango en minerais stratégiques qu'ils n'ont pas sous leur sol et que c'est devenu un secret de polichinelle. Pourquoi ils sont en capacité de le faire? Parce que Félix Tshisekedi bazo linga okanga ba frontière na biso na Rwanda te. Pour ça bokangi frontière na Rwanda. Moyen pe ba kozwa. En tout cas, ils sont beaucoup plus en difficulté pour ba koka kozwa ba nini ba minerai na biso ba kende côté kango. Mais pourquoi notre gouvernement ne peut pas fermer les frontières avec le Rwanda? Parce que soit ils n'en ont pas la capacité et ils ne peuvent pas le dire, mais soit aussi parce qu'en réalité, ils sont sous la coupe du Rwanda. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous gère. Alors, Bako reconnaît en côté parce que Ndetozo Sabino depuis Kala, Baza gouvernement d'occupation et Baza Bato et Baza Wana parce que Bazo doit pouvoir en Abango à partir de Kigali. Donc, Oya Félix Akinaro, on a Kingakati, souvenez-vous, Kingakati c'est Kigali. Et donc, et rappelez-vous aussi, et l'autre papa Ngwanda Yves Sagibino, sur le rôle, il y a Félix, les trois rôles, il y a Félix et Panabiso, hein, qu'on blanchir occupation, qu'on dormir bah, congolais, qu'on légitimer occupation, etc., qu'on légaliser ma famille, ce moment, bazar, ça. Donc, Félix, c'est que c'est le rôle qu'il joue. Et tant qu'on le laisse là, la position au hasard, en gros, qu'il y ait des Akendeko représenté la RDC, nous sommes en train de cautionner, sans le vouloir ou sans le savoir, accord y a signé qui n'a cessé na bango oye outi kaka na yete outi depuis papa nae UDPS baza nini parti politique au bassine bazo travailler na Rwanda depuis kala ça s'est vu à Sun City quand ils ont cédé la vice-présidence en charge de la sécurité et de la défense à Roubaix Roy
Et après, bah, il y a un brassage, une infiltration. Il y a une infiltration. Mais il y a servir de marchepied ou faire la courte échelle au Rwanda, au RCD Goma, la Sun City. C'était bien l'UDPS. Quand l'AFDLP, c'était encore l'UDPS qui était là, même qui couloir à Fungola. Et aujourd'hui, c'est toujours le même processus. Donc, il rôle y a UDPS dans le Bissau. Et ça de plus en plus clair. Mais avant d'en quitter Moussika, il y a un élément d'Ostatie Labino sur les alliances dont Félix n'arrive pas à se défaire avec lui, avec le Rwanda et qui se matérialise par rapport il y a relation Nena Kagame, relation Naina Kamere et particulièrement dont on parle en ce moment, et Joseph Kabila. Voilà. Donc, bon, mais quand on a. À cause de l'émeraude, j'espère que pendant les élections, on va nous montrer cet accord. Mais moi, je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique, Étienne Tshisekedi, avec le Rwanda, déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Étienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soyez un peu humbles. On va revenir sur ce terrain-là pendant les débats. On va revenir. Alors Gabriel Kayembe. On peut perdre Kayembe. Vous avez dit qu'on peut perdre, on est tolérant. J'ai eu un débat contradictoire avec Maître Mukendi à l'IMT. C'était un piège, moi je ne savais pas. Monseigneur non, Père Léon de Sémoulin m'invite. Il a dit, monsieur Kamere, bon, venez expliquer un peu aux intellectuels chrétiens l'accord global inclusif et la marche de la transition. J'ai dit, Père, depuis hier, je ne suis plus au gouvernement, donc à quel titre je vais parler? Il dit, non, en tant qu'expert, même si vous êtes PPRD, il n'y a pas de problème. Il est dit, Sœur, je me dirige vers l'église Saint-Dominique, je trouve de voitures dehors et beaucoup de gens dehors. Je dis, tiens, il y a une histoire ici. J'entre dans la salle, mais vous trouvez que c'était une réunion de l'IDPS. Elle dit, non, voilà, il y aura quelqu'un d'abord qui va faire une première lecture pour critiquer le gouvernement et vous allez vous défendre de ce maître Mukendi. Mon frère, l'intolérance a élu domicile dans l'IDPS. Puisque là, félicitez nos militants. Vous dites, je ne me cache pas, je suis de l'IDPS. Vous avez entendu dans la salle quelqu'un ou spier ou vous dire, monsieur, sortez? Au contraire, quand vous avez parlé, vous avez été applaudi. Mais soyez quand même reconnaissants. PPRD, nous sommes tolérants. Mais quand on applaudit aussi quelqu'un du PPRD par les membres du PPRD, prenez aussi acte. Pourquoi vous voulez qu'on vous applaudisse, vous, dans un auditoire du PPRD et qu'on ne m'applaudisse pas, moi? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la dictature dans le sang. Je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire. Pour que si jamais quelqu'un transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire ici de vous. Je ne trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui et vous allez le voir dans tout ce que je vais faire. Je vais toujours être avec lui. Je ne le trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive et qui ne soit pas prévu dans ce que nous, on a prévu, lui et moi, on se concertera toujours. Et je ferai tout pour qu'on ait la même position. S'il n'est pas d'accord, je n'avance pas. S'il est d'accord, j'avance. Mais on va le faire toujours. Donc ça, vraiment, je vous le dis parce que je veux que vous soyez nos témoins. Donc cet accord, c'est pour vous aussi. Nous l'avons fait pour qu'on soit d'accord. Donc les prochaines étapes, nous irons à ça. Je vais aussi expliquer aux Bakalema de là-bas que désormais, Vital Kamer et son UNC marchent à côté de l'UDPS. Nous avons les destins liés. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je vois que même on enregistre, c'est bien. Parce que sans moi, ça va rester. Donc, je vous remercie encore et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.
Ce jour, pour dire aux Congolais quelle façon nous devons désormais nous saluer pour mobiliser ce peuple pour que triomphe le combat pour la démocratie. Le destin du peuple congolais, c'est entre les mains congolais. Nous ne sommes que des lampes témoins en tant que leaders pour indiquer la voie à suivre. Le peuple gagnera parce que Dieu est avec nous. Personne ne sera contre nous. Merci. Rappeler Nabaoyo, peut-être Bazaki, Bakumai Koubsana et Koubosana, l'accord, l'alliance qu'il y a entre Félix Tshisekedi et le Rwanda et qui se manifeste très clairement dans la relation Naena Vital Kamerhe. Mouto Kongo Mobimba Baye Bikaza Mouibi, Mouto Azalaki, la période Yaba Fête où l'herbe Kongole Bazo Bazo Bazan Anzala Bazo et Bandé Barou sont sortis, lié Nani Vital Kamerhe. Azui Bangombe, Azo Kendope, sa James Kabarebe, qui est un des responsables, et Misala Nyosu, Azo Salamanambo, Kanabiso, au Rwanda, Azo utilisé pour n'occuper, pour balkaniser Mokanabiso depuis des décennies. C'est à celui-là que Vital Kamerhe a été donné des vaches, souvenez-vous. Mais Vital Kamerhe, c'est pas ça. Bazongi, c'est un parlement, mais un parlement, il y a quelques temps, c'est lui qui était là en train de demander, oui, bah, amnistier, tous ces tueurs rwandais au Bazo Bumakuna na Est, hein, souvenez-vous. Hein, c'est aussi lui qui demandait un moratoire pour tous ceux qui avaient des nationalités qui ne sont pas les nôtres, alors que Bangomoro Bazan a texte au Bazo, que oui, on n'accepte pas la double nationalité chez nous, mais le Parlement est truffé de personnes qui sont d'autres nationalités, enfin, pas que le Parlement, toutes nos institutions. Hein. Donc, et Vital Kamerhe, c'était déjà celui qui travaillait pour ça. Vital Kamerhe, vous avez vu le travail qu'il a fait avec Joseph Kabila, son un de ses meilleurs garçons de course, hein, à la tête du PPRD. Hein, le travail qu'il a fait depuis des années, donc Ndoke a vendu les bisous depuis tout ce temps. Et Félix Tshisekedi, il est là en train de l'embrasser. Félix Tshisekedi est là en train de vous dire que non, accord naïe, na Vital Kamerhe. Et aussi la tate, binomoko boyoki. Hein, et surtout, rappelez-vous, le Vital Kamerhe qui dit que l'UDPS a signé des accords avec le Rwanda et aucun membre de l'UDPS est venu le contredire. Évidemment, ils ne peuvent pas le contredire puisque c'est vrai. Hein? Et mais seulement vous comprenez aussi pourquoi Félix Tshisekedi est dans une position où il ne pourra jamais être un véritable obstacle pour la Rwanda. Au contraire, Azawana pour vendre la Bamaki na Bango, etc. Aujourd'hui, situation tout ça, on a Félix Tshisekedi. Hein, par rapport à Mbokanabiso, maman, je pense que vous comprenez encore mieux cette image-là. Et ça, quoi, Mbali, Azoué, Sabino, que Akabani na Moissimo Koboye,
hein, ou mais chaque fois abalukaboué a mentionné Kumbize. Oh, c'était un accident. Yami balé. C'était encore un accident. Yami satu. Borolobani. Yami ne. Yami. Oh, vous comprenez que en réalité, Azana Yekuna, peut-être que Nayu Binonde Azali Soussouté. Et dans le cas de la RDC, c'est comme une femme riche qui se retrouve avec quelqu'un, mais la personne est en train de dépouiller la RDC pour l'autre personne. Oh, il y a Azui relation Nayu. C'est un peu ce qui est en train de se passer chez nous, sous Mbande Kunangai. La situation, elle est flagrante. Qu'est-ce que les Congolais ne comprennent pas? Vital Kamerhe, c'est un agent de Kigali, un des meilleurs. Son oncle s'appelle Gratien Kabiligi, un de ses oncles qui est décédé d'ailleurs depuis. Mais ce Boluki est un oncle rwandais. Puisque Nani Moubake, vous en avez parlé aussi, hein, Valentin Moubake, mais bah, Congolais, on dirait Bozo Yokate, malgré tout ce qu'on vous dit. Mais je vous donne le nom, Gratien Kabiligi, un des oncles de Vital Kamerhe, rwandais, qui a été jugé au tribunal pénal international pour le Rwanda. Hein. C'est un général d'ailleurs. Donc, Bande Onangai, pourquoi ça n'a pas de quoi bah rwandais, mais c'est qu'Azana Makila n'a bango, vous croyez pas? Alors qu'est-ce qu'il fait chez nous? Vous avez tous les éléments sous les yeux. Et aujourd'hui, bah, parlementaire n'a biso bah, qu'on voté Tatawana va pécier la tête du Parlement congolais. Bango nyonso baza va traître. Bango nyonso, oh nyonso bah, kéneko baza va traître. Oh bah, kéko ndima Tatawana baza va traître. Et souvenez-vous de ce qu'ils ont dit eux-mêmes, hein. Le sort qu'on devrait maintenant réserver aux traîtres, puisqu'ils ont ouvert une nouvelle ère. Maintenant, les traîtres, il paraît qu'ils sont. Ils ont droit à la peine capitale. Écoutez, une bonne partie de notre Parlement devrait y avoir droit. Parce qu'en réalité, c'est un Parlement qui est au service des occupants. Bazawana, Baza, caisse de résonance, il y a Kigali. Ils sont là pour couvrir l'action de Kigali, faire en sorte que le gouvernement ne soit jamais embêté. La preuve, c'est que même quand Félix Tshisekedi a quelque côté s'abuse na kati à EAC, le Parlement aurait dû l'interpeller, le Parlement aurait dû le sanctionner. Mais ils n'ont rien fait. Pourquoi? Et ça, je le tiens d'un parlementaire. Nazan, parlementaire, la vraiment quoi, Aïe Sabisongo, Tosa même na audio nango. A l'obakini, à l'obi, Aïebi que Félix Tshisekedi, sur ce plan-là, il n'aurait pas dû le faire. Mais ils ont accepté. Bazana dit, c'est pas pour rien qu'Azo Futabango. Azo Futabango, comme pour respecter le principe de Gézara, en français, on ne parle pas la bouche pleine. Azo Futabango, bien, parce qu'il y a dit que, Nassimana Bango, Bazana Makamebele, Bako Sala, au profit à Kigali, ou bien au profit à Yemoko, au profit à Kigali, par exemple, ce que je viens de vous dire là, hein, qu'on cédait Mabele Nabiso, na Kigali, sans que le Parlement ne dérange Félix Tshisekedi, mais pas que ça. Là, Bazana n'a pas changé constitution. C'est pas. Effectivement, il y a des articles qui ne sont pas bons, qui permettent, qui facilitent justement le babout de la Mabélé. Effectivement, c'est même pas Bissot en gros charte et occupation, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Félix Tshisekedi dit, il se cache sur une bonne raison, finalement. Oui, il faudrait qu'on change de constitution, mais pas pour rester dans un régime d'occupation. On change de constitution pour effectivement mettre un terme à tout ça. Ça dit que même lui, puisque lui, c'est le fruit de l'occupation, Félix Tshisekedi. Son pouvoir, il le tire de ses parrains occupants. Donc, tout ça, on doit tout balayer. Mais lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient vous chanter, oui, on va changer la constitution. Mais pourquoi? Pour le maintenir, lui, au pouvoir. Parce que, il n'a pas changé le texte, il n'a pas changé élection bah mais comme ça bah élection au suffrage indirect, ça dit que bah parlementaire au bâtier wana au bazui moi si bâtier moine bâtier cousin bâtier tonton bâtier bah on a bangwana bah vendre la rabiso seko sur le projet de Félix Nabatunaï. Donc bandekonanga bota la kaka makamu ndengezo kene mabé pour le peuple congolais. On a tout sous les yeux, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe au bâtier wana, il est là pour exécuter, pour veiller à ce que le plan de Kagame puisse s'accomplir. Et c'est là où on a bien par rapport à ce plan, à ce point-ci, parce que le problème n'est pas tant que tu as dit que tu as dit que tu as mais tu as permettre que tu as progresser dans le plan de Kagame. Et il faut que ça cesse. Kabila, il est toujours là, celui qui se fait appeler Kabila. Pourquoi? Parce que c'est un agent de Kigali. Bango Nyos Bazo jure d'une certaine impunité. Tout ce qui tue aujourd'hui, tout ce qui pille aujourd'hui au profit de Kigali ou qui se montre être des gens qui sont là pour veiller aux intérêts de Kigali, Bazo touché Bangote.
Hein? Donc, il faut que ça cesse parce que c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Bandeko, présence, il y a Vital Kamerhe, dans la 4e institution d'Abisso, et en plus, à la tête du Parlement, comme vous pouvez le constater, avec tous les éléments, c'est un acte de haute trahison. Tous ceux qui y participent font preuve de haute trahison par rapport à Yamboka Nabisso. C'est évident. Et ça ne fait que confirmer ce que Elor Otozo et Sabino, c'est que Batoana Nyonso, ils sont tellement sous la coupe de Kigali qu'ils sont amenés à prendre des décisions qu'aucune autre personne, hein, normalement constituée ou un patriote devrait faire par rapport à son pays. Et quand on connaît le plan de Kagame, en plus par rapport à notre pays, c'est là où vous vous rendez compte de la gravité des actes au bateau bazar opposé. Kagame a zolu kama beli, baboto la biso ma beli. Et pour le faire, stratégie au bango va mettre en place ces anines. Il faut qu'ils aient un groupe de personnes au bazar na beli na biso qui peuvent se réclamer, qui peuvent se faire passer pour des Congolais alors que bazar va rwandais. C'est là où ils ont créé cette ethnie imaginaire Yababanya Mulenge. Une fois qu'ils ont eu cette ethnie-là, enfin, c'est bon, voilà, une population un peu identifiée comme ça, là, Félix Tshisekedi dit, Azana mission, il y a que ça, là, tout pour que Batoana Bakoma réellement dans la nationalité congolaise. C'est comme ça que vous l'entendez partout dire, oh, Waneza Bandeko Nabisso, etc. C'est parce que Nadil Oyasinya Kinabango, il est obligé de faire accepter, d'imposer cette notion-là. Alors. Donc, il y a une population, donc, ils ont un peu identifié comme ça, oh, ils ont soi-disant, il y a Bango, soi-disant, pas Congolais, mais, bah, ça, il y a Bissoté. Parce que, pas la Bissot, toutes les ethnies, au Roman, soro ke pa ba Yanzi, bah, bah, ki Yanzi. Soro ke pa ba Mbandi, bah, bah, ki Mbandi. Soro ke pa ba Mbunza, bah, bah, Mbunza. Donc, soro ke pa ba Nande, bah, bah, ki Nande, et ainsi de suite. Bah, bah, Nyamulenge, c'est pas possible. C'est là où on reconnaît tout de suite les intrus. Donc, c'est le seul groupe de personnes, oh, bah, 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 Congolais, mais, comment on a bango se correspond, on a bango bah, pourquoi? Parce que ce sont des intrus. C'est valable pour les Hutus, c'est valable pour les Tutsi. Oh, bazan en Bourganabiso, il n'y a pas de Tutsi et de Hutu congolais, ça n'existe pas. Bah, la Belgique qui a établi la cartographie, il y a été Nabiso, il y a été Tervuren, bah, Belge, bah, Bimis, c'est Nabiso, carton exaté, bazar, ils font pas partie des ethnies qui ont constitué la RDC. Et parmi donc, et pour chaque groupe pour chaque population donc qui constitue cette ethnie, il y a automatiquement, ça les relie automatiquement la dialecte na bango, mais aussi na ba chefferie na bango. Donc et loko bango bazo luka, donc il leur faut donc ce groupe de personnes, il leur faut un espace et un territoire na biso, hein. Donc et c'est là où maintenant et loko bango ba sali et loko kagama zako luka. Et Zaki, surtout, copé sa bango nationalité. Voilà. Comment ils ont pu procéder? Avec le processus, il y a élection, il y a Tianana, ou Bassel Agibiswana. Oyo, Bassel Ibino, un enrôlement qui n'en était pas un. Vous-même, vous avez vu que ça rimait à rien. Ma carte d'électeur qu'on ne voyait pas, il n'y en a pas pour tout le monde, etc., etc. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que, Bassel a besoin, Bino, bah, Congolais, pour valider, en gros, pour valider le processus, voilà. Comme ça, bango bah, fabriquer ma carte d'électeur, n'denge balingi. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein, pour distribuer à qui ils veulent. Donc aujourd'hui, il y a un groupe de personnes qui ne sont pas des Congolais, qui ont des cartes d'électeurs. Et Félix Tshisekedi, avant qu'il ait France dernièrement, avant à décoller, il a fait en sorte de donner des gages à Kagame. Oh, bah, peut-être vous allez attention. Gage à Liboso Nini, à Lobby, il a adoubé Vital Kamerhe avant de partir. Yemora Yambi à Lobby, Aza déjà président et assemblée. Il a fait ça, c'est pour assurer Kigali, pour l'envoyer tout en haut. Et c'est dans la zone Kende. Malgré que Kuna Bazo Lenge là-bas, Makambo Pobal, peut-être Bal Longolanga na sous-influence na Bino, Nga Nazo a rassuré Bino que Naza toujours y a Bino. Alors, il a fait deux choses. Il a adoubé Vital Kamerhe avant de partir et il a annoncé déjà processus, il a coupé sa carte, il y a ma carte d'identité. Carte d'identité sans recensement. Vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, toutes les cartes d'électeurs dont Kagame dispose pour Nabatunaye, Bazo converti en mode déjà n'a pas de carte d'identité, pendant que Bakongole Baza qui dit Babao Sasuki Nini. Et Félix, voilà, c'est lui qui a fait en sorte qu'on en arrive là. Yena Bato, Bazo, Batunaye, Bazo, soi-disant qu'on travaille, etc. Donc voilà la gravité de la situation de Tozanango. On a donc Kagame n'a plan naye. Oui, ça là qui y a robot la mabélé etc. Il y a mon misala bazo salana ba milice naïwana ba bobi ba congolais ou bien ba kimisi ba congolais. On a 7 millions
de déplacer, mais on il baza pressé ka kaba ben sarabato baza na Rwanda ba soit disant réfugiés congolais baza na Rwanda ou bien ba population donc population ba bazo lenge la kaka ba soit disant ba banyamulenge fuka ba ngou baza na no à l'aise ba congolais non c'est pas la peine etc. Donc celui-là là ce Kagame qui est fabricant de migrants là hein puisque ba tenir sur baza potentiel ba déplacer na biso baza potentiellement ba futur migrant ba yende communauté internationale bazo soutenir na makamonyo so azo sala et Félix de l'autre côté y est pas azo faciliter ba makam et bien entendu dans tout ça ceux qui font le travail y a ko déplacer ba population na biso y a ko salamini y a ko boma bango etc. Félix vous dit ah oh, je suis désolé il y a pas de justice vraiment vraiment c'est quelque chose qui lui pèse etc. Mais rien du tout ça fait partie de sa mission le premier parrain y a Nini y a ba M23 dans la Bélé na biso comme on a Joseph Kabila mais atiké ponani hein.